8h31, nous allons justement évoquer la bande originale à notre façon de Roberto Alagna, puisque son album s'appelle Ma vie est un opéra et retrace donc ses moments forts de sa vie privée comme professionnelle en 16 grands airs d'opéra. Mais cette bande originale démarre justement évidemment par la naissance magique en 63. On n'est pas né à la même année, non, excuse-moi, non, je suis beaucoup plus vieux que toi, tu plaisantes. Ah non, soit 63, que se passait-il, Leïla? C'est l'inauguration, ma perle, c'est l'inauguration de la maison de la radio, c'est l'ouverture du premier hypermarché en France dans l'Essonne. Et c'est aussi... Guillaume Bernard en parlait tout à l'heure. Voilà, et c'est aussi malheureusement l'assassinat du président Kennedy à Dallas. 1963, naissance d'un et une enfance en musique. Expliquez-nous un peu la famille dans laquelle vous arrivez. Je suis donc un enfant issu d'immigration. Hein. Mes parents arrivent de Sicile. Papa est maçon, c'est ça? Papa maçon, ma mère elle est couturière. Et puis la plupart des membres de la famille, c'est la même chose. Sauf qu'ils ont tous un lien, c'est qu'ils aiment chanter, ils aiment les instruments, ils aiment la musique. Et donc comme on n'a pas de télévision, on n'a pas de radio, on n'a rien, quand on se retrouve, c'est les guitares, les mandolines et on se met à chanter tout le temps. Et ça devient mon conservatoire. Voilà. Formidable. C'est là que j'apprends tout le répertoire et puis la technique vocale aussi. Et alors pour quelqu'un qui est l'une des plus belles voix au monde, le paradoxe fait que vous naissez avec le cordon ombilical autour du cou, c'est-à-dire comme si... dans un garage. Alors j'avais pas l'adresse, mais... Il a fallu un démontreur. Mais en l'occurrence... Oh, félicitations à votre père, mais... Mais l'idée comme ça d'être étouffé et sauvé, entre guillemets, alors que vous allez avoir besoin que de respirer, de vous exprimer toute votre vie, c'est comme un signe. Oui, en fait, mes parents ont pleuré parce que je n'avais pas crié. Et on leur avait dit que c'était très grave de ne pas pleurer, de ne pas crier. Et ensuite, je me suis rattrapé. Ouais, après, plus tard, sa mère a dit « Remets-lui le cordon, laisse-moi. » 1975. Je suis désolé. De l'existence dans les pays. 1975, il y a beaucoup mieux à écouter, s'il vous plaît. Je t'en prie. Parce que c'est quand même assez incroyable là. Moi j'ai chanté avec les deux, avec Queen et avec. Annie Cordy avait chanté avec Queen. Oui. Du coup ça a coupé tout à l'heure. Juste vous expliquer d'abord. Annie Cordy c'était. Annie Cordy c'était. Non, c'était. C'était Annie Mercurio. On avait fait un spectacle Mariano et donc je l'ai invitée parce qu'elle avait chanté avec Mariano. Absolument. Et on a fait un duo ensemble et c'était formidable. Et c'est une femme absolument formidable que j'embrasse extrêmement fort. Une énergie. Dingue. Formidable. C'est un amour. Formidable. Et Queen, on était à Dublin donc. J'étais la nouvelle recrue d'IMI, eux ils faisaient partie aussi de l'équipe IMI, et tout le monde avait été invité, donc tous les chanteurs de pop, de rock, tout ce qu'on veut, et moi j'étais le seul artiste classique qu'on avait invité. Et j'étais ridicule, et on m'a dit, tiens, tu peux chanter un truc d'opéra? J'ai dit, bah non, je voudrais pas déranger. Je dis, si vous voulez, je vous fais un truc à la guitare, et j'ai fait un truc à la guitare, et Queen m'a rejoint. Et c'est on a chanté ensemble dans ce meeting à Dublin. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien de ça. Non, il n'y a pas d'enregistrement, mais par contre, ce qui a été formidable, c'est que ce que j'avais chanté une chanson sicilienne à la guitare, et ensuite c'est devenu le disque avec mes frères de Sérénade. C'est là qu'on m'a proposé ce disque. Voilà. D'accord. Alors que se passait-il en 75, Leïla? C'est la mort de Franco, c'est aussi cette année-là qu'Émile Ajar, alias Romain Gary, reçoit le prix Goncourt pour La vie devant soi, et c'est la création de l'Agence spatiale européenne. Et vous êtes, parce que vos parents, donc on a compris, aimaient la musique, ils vous inscrivent au conservatoire parce que personne n'était vraiment... Parce que c'était des sauvages. Lecteur de partition et autres. Tout le monde chantait, c'était une sorte de sauvage. Et voilà, donc on s'est dit, tiens, celui-ci, il a un don, un talent, peut-être un peu plus poussé que les autres. On va essayer de le mettre un peu dans le droit chemin et qu'il ait aussi une éducation plus académique de la musique. Voilà, mais bon, le problème, c'est que j'avais déjà 10 ans.
Et on m'a mis en classe de solfège avec des enfants de 6 ans. Et moi, 10 ans, j'étais un homme. Qu'est-ce que je fais avec les gamins? Donc je suis resté un an et je suis parti. En 1978... Mais quand vous voyez, il y a de la bonne musique, c'est là. Ah, Richard Arnex qui a eu chopé là-dessus. YMCA avec Village People, ça c'était en 78. Que se passait-il à ce moment-là, Léna? 78, c'est l'attentat du château de Versailles. C'est aussi cette année-là qu'a été créé à Beaubourg l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique, par le compositeur Pierre Boulez. Et c'est votre première scène, 78. Drôle de scène, j'ai envie de dire. Ça se passe dans une pizzeria? Oui. Oui, ben c'est vrai, c'était... La première fois que vous chantez devant un public. Devant un public qui soit payant. Étranger. Voilà. Non, pas payant, oui, payant pour eux, là, pour la pizza. Mais moi, j'avais l'habitude de chanter pour mes potes et pour la famille. Donc là, c'était la première fois où je me retrouvais vraiment devant des gens que vous ne connaissez pas. Ouais. Voilà, et ça a été assez formidable parce que j'étais tellement timide que c'était quelque chose d'impossible pour moi. Heureusement que j'avais cette guitare qui me protégeait comme une sorte d'armure, je me cachais derrière. Et puis là, j'ai vu l'effet que ça faisait, même sur les gens qui ne me connaissaient pas. Mais voilà. Vous chantiez des chansons, vous chantiez le menu? C'est incroyable ce que vous dites, parce que vous savez que le pain de la pizzeria... Napolitain, Napolitain. Vous croyez pas si bien dire. En fait, le patron avait des plats, et un jour il m'a dit: Roberto, tu peux composer une chanson pour présenter le menu? Et je l'ai fait. Et j'ai fait, une sorte de tarentelle qui composait qui racontait le menu. Et vous chantiez en 8 langues et en phonétique. Oh oui, mais en plus que ça. Oui. Enfin, moi j'en parlais 6 déjà, donc c'était déjà pas mal. Mais quoi, 15 ans, vous parliez 6 langues? Ouais, c'est quoi, 4 fromages? Un peu de tout. J'en parlais 5, j'en ai rajouté une ensuite par mon mariage. Mais vous chantiez en yaourt quand même, vous disiez, quand vous... Non, parce que par exemple, si je chantais en arabe, je chantais en hébreu, je chantais... Et en comprenant ce que vous chantiez? Ou en apprenant la phonétique? Savez, quand on vient de Clichy-sous-Bois, on comprend l'arabe. En 1980... Alors tristement, cette chanson, on en a beaucoup parlé cette semaine, puisque un membre du groupe Sugar Hill Gang nous a malheureusement quitté. C'était le rappeur Delight en 1980. Que se passait-il dans ces années-là? C'est l'élection de Ronald Reagan, c'est la prise d'otage de l'ambassade iranienne à Londres, et Bob Marley fait un malaise sur scène à Pittsburgh, c'est son dernier concert. Et là, vous prenez des premiers cours d'opéra sauvages, vous dites, dans des cabarets? Oui, des cours sauvages, parce qu'en fait, je faisais tout le répertoire à cette époque-là sud-américain, et cette communauté d'artistes sud-américains trouvait que j'avais un défaut dans ma voix. Pour eux, je chantais trop fort. Donc on m'a dit, va voir Raphaël Ruiz, qui était cubain, et donc je suis allé le voir, et lui a été le premier qui m'a dit, voilà, tu es un ténor. Voilà, donc il a ouvert la porte à ce rêve que j'avais moi à l'intérieur de moi, et qui était inaccessible. Voilà, c'est lui qui m'a donné le courage d'essayer. Et pendant 5 ans, tous les jours, Othello de Verdi. Oui, tous les jours on chantait. D'abord on commençait par une demi-heure de solfège, ça c'était obligatoire, il fallait lire. Et puis ça m'a servi ensuite. Et puis Othello, enfin en fait tous les rôles les plus lourds, parce que lui était cubain, il était métis, donc cette couleur qu'il avait de peau faisait qu'il s'identifiait avec le rôle d'Othello, certainement avec les problèmes, le mort de Venise. Voilà, donc c'était son œuvre et il m'avait fait promettre de le chanter à 40 ans. Je l'ai chanté à 50. Pas mal. Pour moi, c'est aussi le moment où vous décidez que votre vie est un opéra, parce que dans la présentation de l'album Ma vie d'un opéra, à cette époque-là, vous dites, enfin, il y a écrit, s'illustrant notamment en tant que chauffeur-livreur. Oui. C'est-à-dire que même sur le petit boulot, c'est... En fait, je jouais un rôle parce que je faisais du cabaret. Donc j'avais commencé la pizzeria à 14-15 ans, et à 17 ans, j'étais professionnel dans les cabarets. Et j'ai commencé les études d'opéra à 17. Donc pendant 3 ans, je faisais les deux. C'est-à-dire, je chantais de minuit à 6h du matin, je dormais 3 heures, et l'après-midi, l'opéra. Et un jour, mon prof, Raphaël Ruiz, m'a dit, écoute, tu peux pas continuer comme ça, il faut laisser tomber la cigarette, la nuit, c'est pas bon pour toi. Donc j'ai tout abandonné, parce que je croyais en ce qu'il disait. Je l'écoutais, en plus j'aimais bien cet ordre. Et donc j'ai fait des petits boulots pour essayer de subvenir à mes besoins. Et je suis devenu livreur, je faisais un petit truc d'électricien, alors que j'étais pas du tout électricien. Et pour moi c'était pas... C'est escroc. C'était pas difficile parce que je jouais un rôle. Vous savez, quand je faisais des livreurs pour des gâteaux portugais, vous imaginez. Donc j'étais là avec mon t-shirt.
Et pour moi, j'étais Marlon Brando. J'étais là avec mon sweatshirt en sueur. Je mangeais ma baguette avec mes olives. Je continuais à chanter dans la voiture. Voilà, c'était des moments vraiment, vraiment très beaux pour moi. 1990, ça va, après tous ces boulots et toutes ces rencontres avec Pavarotti dont on a déjà parlé en début de bande originale, le triomphe, mais d'abord, il y avait quoi en 90 ? Depeche Mode, Enjoy the Silence. On parlait de silence avec Roberto Alagna, c'est un peu particulier. Que se passait-il en 90 et là ? Ce sont les élections libres en Géorgie et la création en France d'un ministère de la ville. Et en 1990, c'est la référence apparemment dans Ma vie est un opéra. C'est quoi, quand je dis ça, c'est pour la période. Premier triomphe, c'est en 90, c'est à Traviata le premier triomphe. Le premier triomphe, c'est à Traviata, oui, c'est vrai, c'est là que j'ai été reconnu. Parce que j'avais chanté des opéras avant, mais c'était dans des boui-boui, je dirais même plus le nom. Et voilà, j'avais commencé avec La fille du régiment, Don Pasquale, j'avais même fait le dialogue des Carmélites, enfin des tas de rôles comme ça. Et c'était une représentation à chaque fois. Et un jour, j'ai commencé avec La Traviata dans un grand festival, le festival de Glyndebourne. Et c'est là que ça figure sur ma bio, parce que pour moi, c'est là que ça a commencé vraiment la grande carrière. On se retrouve en 2002, ce que l'on entendait à la radio en 2002, c'était Indochine, J'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas.